Morissette et en aller avec Esaü et qui probablement va faire une intervention. Esaü César, comment nous y est? Bonsoir, bonjour auditeurs et auditrices de Radio Téléclair. Bonjour à Pierre-Martin, José Lixidor, Loco Désir. Bonjour à chaque grand ami, auditeurs et auditrices un peu partout à travers le monde, spécialement mon qui dans la section communale. Eh bien, José, comme on connaît, et suite à communiqué du gouvernement en place, qui était demandé à ce que les fonctionnaires de l'État, le commerce, le grand commerce, les activités du pays capables de reprendre. Alors, comme à l'accoutumée, nous passons dans plusieurs côtés, nous, banque qui l'ouvrit, banque qui était fermée, ils l'ouvrit, ils relouvrit, et bureau de l'État a commencé à fonctionner tout petit, et parce que il y a des gens qui ne parviennent pas à travailler, compte tenu de saisissement, il y a des gens qui saisissent, qui étaient attachés à la président Jovenel Moïse. Et en toute impopularité et que Jovenel Moïse comme président de la République a lui-même été gagné, donc faut nous dire que l'activité reprend, sinon que l'école qui est toujours fermée, et gagner l'école qui t'a fait cours pour tout le monde qui parle examen et 9e année, nous connaissons que le ministère de l'Éducation nationale et reporter examen ça au 19 juillet qui est là. Et donc l'activité reprend normalement. Et Kouyo, en Haïti, spécialement, dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, et sinon que, les groupes armés, qui ont même continué à procurer Kouyo. Alors, matin, gon baisse qui fait, et monsieur Guéguen, et comme on dit, ils font camper, ils ont pas goûté entre eux, matin, là, okay. Et, pour remarquer, et diverses machines, et t'as traversé ce matissant, et, transport en commun reprend correctement dans le niveau commune Tafou. Okay. Donc, mais ça va empêcher que monsieur a Poubizamio pour redémarrer Goumé parce que c'est chaque groupe qui occupe le territoire par yo, et ça qui perd du territoire. Par exemple, monsieur Tibouayo perd plusieurs dans le territoire, il peut récupérer. Et c'est ça qui prend la cause. Mais vie est tournée, où t'as des goumets, entre M. Bilay de Dieu, qui a accaparé, et Matisson 4 avec Matisson 2, il a accaparé de Matisson 1 jusqu'au 23, jusqu'au 10, jusqu'au 21, qui donc, et M. Christio, M. Tibouayo, il y a même eu bien seulement, et bloc, et Matisson 23 en haut, dans Méo, avec jusqu'à Fontamaraca en droit. Okay. Donc, c'est ça qui la cause de tout goumets à eux. Et José Lexidor. Donc, la police nationale lui-même, par le biais de certaines unités, d'un coup, Udmo, mais toujours sillonné avec une seule graine blindée, qui lui-même a sillonné de Matisson 1 à Matisson 23. Mais ça pas, ça qui pas empêché, ça qui pas empêché, mais bandits, ont même les sorti, mais ils ont fait mort, et il y a des gens qui mourent, par exemple, hier, dans tous les deux camps, il y a deux gens qui sont morts dans le camp, et Tibois, et il y a un, et deux autres nègres qui sont morts dans le camp, monsieur Villa de Dieu, qui était accaparé, Matisson 7, Matisson 4, Matisson 2. Donc, non, on n'a pas la voilà là. Et, que ce soit comme à continuer à faire, mais, Gouméens sont campés. Mais est-ce que Gouméens campés net? Nous ne pouvons pas dire ça. Sinon que, n'a pas suivi pour nous exactement ce qui a passé. Alors, dans le cadre d'un dossier, Jovenel Moïse, là, José Lexidor. Selon les toutes dernières informations, James Solage, c'est un monsieur, selon information, yo, c'est un monsieur qui t'a tiré à main par le même Jovenel Moïse. Selon dernière information, yo, Blanc était en backup, monsieur Colombien était en backup, mais James Solage, c'est lui-même qui t'a coordonné les activités sur le terrain, c'est lui-même qui t'a mené opération. En tête opération, c'est-à-dire que, selon information que nous gagnons dans Botimamit, James Solage, et selon les informations, M. Tassassé, et c'était ancien responsable sécurité, M. Dibivon. C'est ça qui est comme information. Alors, M. lui-même, selon information, c'est lui-même qui t'a coordonné les activités sur le terrain avec M. Colombien. Donc, M. Colombien, selon dernière information et tout, c'est à 15 millions de dollars qui t'abaille pour que tu livres le président. Maintenant, la garde présidentielle
et mise sur ses lettres, eh ben, faut que nous jouions qu'un pile policier, qui était toujours plaignant, un pile agent USGPN, USP, eh ben, qui était toujours plaignant que le président son équipe crasse, son équipe dure. Donc, faut que nous jouions que le président de la République lui-même, et faut que nous jouions que, était toujours qu'il plaignant. Nous rappelons que le matin du débat, nous avons toujours parlé de ça. Nous avons toujours parlé, écoutez, un président, il y a un propre ennemi qui n'enseigne, il y a un propre ennemi, hein, il y a un propre ennemi qui n'enseigne, il y a un propre monde qui parle de well. Qui a des problèmes avec elle, sous base que le président son équipe classe, le président son équipe peint, ok? Donc c'était ça, et en pile policier, qui n'a garde présidentielle là, qu'on a plein, par rapport avec le fonctionnement président de la République. Mm-hmm. Alors, selon information, le président a été livré facilement, et ceci dit, et selon toute enquête qu'a menée, et M. Adiel Civil, qui c'est directeur et un des coordonnateurs et de la sécurité présidentielle, de la sécurité, de l'unité de la sécurité présidentielle, mais monsieur lui-même, il va pour répondre aux questions 14 juillet qui a venu là, commissaire du gouvernement, il y a monsieur Dimitri Erard, lui-même, et selon toute information, je ne sais pas jamais de pied le président, malgré que monsieur Civil a enterré les monsieur. Jusqu'à 5h de l'après-midi, monsieur Dimitri Erard, pas de jambes présenté sur les lieux du crime, pas de jambes par une portée secours. Selon information et tout, c'est un monde qui t'a vu secourir. Eh bien, on nous dit, madame président, c'est un Vladimir Parizeau. Selon dernière information, Vladimir Parizeau, c'est lui-même qui t'a dépêché sur les lieux rapide, pour venir sauver madame président. Alors, une chose est claire, c'est que je dis à la, président est livré pour contre lui, hein, agent de sécurité crasé l'ac, aucun agent de sécurité pas de prendre aucun cartouche, il pas de suivre aucun balle, et pas de aucun agent qui t'a même levé le petit doigt pour te tirer, ou bien pour te, pour te riposter avec des agents sur les lieux, et des mercenaires sur les lieux, simplement, président était mouri, il prend balle et puis il mourit. Et puis à la suite, eh bien, on va venir joindre des monde qui proche président, venir chercher madame là, mener l'hôpital. Qui donc journée aujourd'hui là, eh bien, faut que nous disons que José Lexidor, si tu as tout ça, mandé un pile enquête, et c'est ça que fait, on va joindre Laurent Lamothe, ancien ministre en lui-même, qui mandait pour que une enquête internationale sous dossier A. Et parce que grand pile bagaille qui a parlé, grand pile intoxication qui a fait, eh bien, l'essentiel, c'est que la police nationale, eh bien, fait ça, l'idée de faire, ça qu'elle a toujours fait, et ça qu'elle est obligée de faire, eh bien, il est arrivé, marré, eh bien, plusieurs Colombiens, accompagné de deux responsables haïtiens, deux coordonnateurs, monsieur qui t'a coordonné mouvement ça, action ça sur les lieux, Mais la police nationale met men en cassage, monsieur. Gagne l'autre, yo même, nous connais, nous, on a pris une information. C'est que gagne là-dedans, yo. Mais qui perdit la vie, yo? Il y a quatre là-dedans, yo. Il y a quatre Colombiens qui t'a perdu la vie, yo. Et le président colombien, monsieur, annoncé selon information que nous gagnons, dans la conversation que nous avec Claude Joseph, le premier ministre, sinon, de facto, je dirais. Eh bien, selon le premier ministre Claude Joseph, eh bien, ligons conversation avec le président de la Colombie qui annonçait la plus pure enquête dans ce cas dossier ça pour qu'on ait exactement les commanditaires de ce crime odieux côté président de la République, Jovenel Moïse, je perds la ville là pour là. Mm-hmm. Alors, quand nous dit que José Alexidor. Il faut du tout gagner et commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince qui mettait. Alors qu'il m'a dit, et pourtant, Dimitri Erard, qui c'est chef USGPN. Oui, Dimitri Erard est dans le collimateur du commissaire du gouvernement. Monsieur, il a voulu répondre une question, le même 14 juillet, ça. Alors, faut que monsieur tout marche, faut que Dimitri Erard tout marche avec Tika Banmi, est-ce que vous comprenez? Et monsieur Civil Laguerre. Mais je suis vu la gueule, et il faut que monsieur marche avec Tika Banmi, parce que selon toute information, monsieur Zao Pagé ou pas moi, et t'as déjà gagné une interdiction de départ pour tout agent qui était dans la sécurité président. Tout agent qui t'a gagné charge pour gérer la sécurité président, il y a une interdiction de départ contre monsieur Zao, et DCPJ t'a déjà demandé pour que monsieur Zao,
yon retracé téléphonique de chaque green agent qui était sur les lieux dans le moment. Tout le monde président s'est parlé avec yon. Numéro président et communiqué avec yo. Jou ça, mais DCVJ a tout relevé téléphonique de tout le monde qui peut répondre à la question DCVJ à la commissaire du gouvernement. Donc ça veut dire que yon moun qui était le président et président avant pendant un nombre de temps, mais on peut aller pour répondre à la question et on peut obligé de répondre à la question et pas courir à l'avion. Pas courir à l'avion parce que y a mette. Oui. Non, pas courir à l'avion. Pas courir à l'avion. Il y a un monde qui courir à l'avion, là, on peut être suspect. Et surtout, si vous êtes parlé avec le président de la République, là, ok? Et de vous, vous n'êtes pas président de la République, là, ou t'es le président, ou le président de l'eau, eh bien, vous pouvez répondre aux questions, parce que la CPJ, déjà, communiqué avec Conatel, Digicel et Natcom, pour communiquer Bali, toute liste appel, moun qui te parlé avec le président, joue ça, moun qui te parlé avec Martine Moïse, moun. Alors, faut nous dire que Martine Moïse, lui, il a la vie sauve, c'est parce qu'elle te mette quoi, le temps qu'on moun qui mourit. Donc, monsieur, t'es passé, Martine Moïse, t'es mourit. Donc, c'est ça que fait Martine Moïse, pas mourit. Et, l'ambassade américaine, elle m'était dépêché sur les lieux, et côté petit garçon, Jovelin, lui-même, t'es trouvé dans Delma 75, mais on était allé derrière monsieur, mais c'est grâce à l'ambassade américaine qui était dépêché sur les lieux, OK, un contingent pour aller chercher petite là et pour que yo t'ai ni madame non, ni Jovelin, yo t'ai forcé Jovelin. Alors Jovelin va dire que Jovelin pas voulu aller. Jovelin, qui c'est petit président de la République là, ne s'est pas décidé qui était territoire. OK, ne s'est pas décidé qui était territoire pour monsieur. Pour Jovelin, c'était un vaste complot que papa a subi. Faut nous dire que dans un moment, monsieur Patnak qui est président, OK, monsieur a regardé match avec quelques amis dans Delma 75. Et de fait, l'ambassade américaine gagne information, mais il t'apprend avait cherché joindre avec Jovelin qui lui-même je veux dire non, on n'a pas la voilà là, et même monsieur trouvé les États-Unis d'Amérique tout et madame président selon l'ordre d'information, selon l'ordre d'information, Martine Moïse, dur à la mort, dit pas quitter ça comme ça. Selon dernière déclaration, Martine Moïse déclaré sous cabane l'hôpital, lui pas quitter ça comme ça. Ça veut dire ça, c'est bien. Martine Moïse, rappelons bien le matin de bande, dit que Martine Moïse tagué pour le candidat à la présidence. Eh bien, Martine Moïse, sans qu'elle peut déclarer que la candidat à la présidence, il faut que nous disions que Martine Moïse déclaré, normal net, la parée pour Goumé et jouer une justice pour Maril. Déclaration, Martine Moïse. Lui déclaré sous cabane l'hôpital, lui pas quitter ça. Yo met paré pour assassiner tout parce que lui-même, faut que Maril joue une justice, sinon faut que Jovenel Moïse joue une justice. Et seule façon pour Jovenel Moïse joue une justice, nous connaissons bagayo. Il y a un plan qui a peiné là pour que yo t'a assassiné, pour que t'a assassiné même monde qui a arrêté. Et ça fait la police nationale une grosse responsabilité dans le cadre de ça parce que il a cherché pour qu'on ait exactement le commanditaire ou les commanditaires de ce crime odieux. Rappelons bien, bien matin à tous, il y a des crimes les fait, même les arrêtés mouns, les arrêtés mouns sur mouns, mais comme en plus fois, et où on lui dit que même mouns y arrêtés, où on a des mouns y ont mouru dans des conditions. Donc exactement, la police nationale gagne une grosse responsabilité pour sécuriser, donc on se scellé. James Solage, ok, retenez bien le nom, James Solage, le coordonnateur de la mission, ok, de la mission tuatoire de Jovenel Moïse, eh bien, James Solage doit joindre bonne sécurité pour que au moins il soit capable de témoigner, malgré que M. Guetta fait une déclaration, M. fait compter au niveau de la DCPJ, et c'est une mission que le joigne sous Internet. Monsieur Fekone, c'est une mission jeune sous Internet, son job jeune sous Internet pour venir mener une mission ça. Donc, monsieur Fekone, bien clair, mais sinon que ça, elle nous dit là,
Mais il a arrêté, monsieur, ensemble avec monsieur Colombien, yo, et monsieur a déclaré son job était bali sur Internet. Donc, c'est comme ça va aller. Donc, Nathan, pour nous connaître exactement, qui ça va passer? Qui ça va passer? Est-ce que Martin Moïse, l'Elfin rétabli, a retourné dans le pays, côté États-Unis d'Amérique, lui-même, prend responsabilité pour sécuriser madame président? Donc, nous dit que. Madame Président, pas pour vous dire dans le moment où on a parlé avant là. Madame Président, pas pour vous dire. Sécurité, Madame Président, pas sous contre lui. C'est Américain, mais c'est normal. Qui est occupé de sécurité, Madame Président. Ça c'est normal, les amis. Vous connaissez ça, c'est normal. Eh bien, ok, les amis. Allô? Voilà. Alors, nous gagnons, Kouliala, nous gagnons en équipe aux États-Unis, haïtien. Haïtien américain, mais haïtien qui lançait deux fois manifestation aux États-Unis. Ils ont gagné.